Nous avons déjà jeté même des milliers de fois. On n'a rien attrapé.
Mais Pierre a dit non. Ça, c'est moi qui échoue. Mais lui ne peut pas échouer. Pourquoi? Lui n'est pas un homme. Lui, le Dieu lui-même. Là où toi tu échoues, lui n'échoue pas. Alors Dieu nous dit des fois d'oublier ton échec. C'est ce que Pierre avait fait ces jours-là. Il a oublié son échec. Il a dit, j'oublie ma connaissance, j'oublie ma capacité, j'oublie mes aptitudes, que je suis un bon sportif, ou je suis un très fort, je suis un bon travailleur, je suis intelligent. Non, oublie cela. Amen. Fais confiance au Seigneur Jésus. Amen. Obéis le Seigneur. Tu verras qu'il y aura quelque chose de changé dans ta vie. Amen. Pourquoi? Lui ne peut pas échouer. Lui, ce n'est pas un homme. Il est le Dieu Tout-Puissant. Souvent, quand on échoue, c'est quoi qui vient? C'est le découragement qui vient. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? On est démotivé. On est découragé. Mais lui te dit ce soir, obéis à ma parole. Amen. 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 Hein? Pierre avait obéi. Ils ont travaillé toute la nuit, nord et nuit. Mais quand ils ont obéi, une seule parole de Jésus, deux barques étaient pleines de poissons. Amen. Amen. Ah, c'est à toi de choisir. Hein? Tiens-toi sur la parole du Seigneur. Lui ne peut pas échouer. L'échec n'est pas une fatalité non plus. Oh, parce que j'ai échoué, toute ma vie s'arrête. Non! L'échec n'est pas une fatalité. Ah, vous savez ça? Amen. Ce n'est pas une fatalité. Amen. Hein? Pourquoi nous échouons? Parce que nous sommes des hommes. Amen. Mais lui, il est Dieu. Amen. Dieu ne peut pas échouer. Amen. L'échec nous donne aussi une leçon. Pas seulement une leçon, il y a aussi quoi? Une expérience dans l'échec. Amen. Parce que quand tu échoues, tu dois savoir pourquoi j'ai échoué. Amen. Pour ne plus tomber dans la même chose. Amen. Alors, il ne faut pas dire que je suis le premier à échouer. Non! Tu n'es pas le premier. Tout le monde ici a déjà échoué. Amen. Oublie ça aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses lui faire confiance maintenant. Amen. Tout le monde a déjà échoué. Un chrétien doit toujours savoir quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Est-ce que Dieu ne savait pas que tu allais échouer? Il le savait. Amen. Est-ce que Dieu ne savait pas, le Seigneur Jésus ne savait pas que toute la nuit n'auront rien attrapé? Il savait cela. C'est pour cela qu'il est venu à leur secours. Ils étaient tellement découragés. Parce que presque tous les apôtres étaient des pêcheurs de poissons. Et vous savez cela. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de moteur hors bord. Non! On devait utiliser le muscle pour déplacer la barque. C'est que presque tous les pêcheurs avaient des gros biceps. Ce sont ces gens-là que Jésus avait pris comme des apôtres. Ils jouent aussi le rôle des diacres aussi. Hein? Ce sont eux aussi qui protégeaient Jésus. C'est pour cela que la femme, à la perte de ça, elle a souffert pour approcher Jésus. Heureusement, elle a fini par. Le prophète dit qu'elle a fini par ramper. Elle a seulement regardé la tunique de Jésus qui dit non, je ne saurai pas l'approcher. Je vais ramper. Amen. Amen. Elle a rampé jusqu'à toucher la robe de Jésus. Et quand elle a touché, la vertu est sortie de Jésus et la vertu est venue guérir la pauvre femme.
Alors, ils étaient découragés. Ils n'ont rien pu toute la nuit. Après, ils ont vu un homme là, un bout d'homme, apparaître à la berge. Il dit, Pierre, vous êtes fatigué? Oh Seigneur, toute la nuit, on n'a rien eu. Mais moi, je vous dis, j'étais maintenant là. Amen. Est-ce que les poissons là étaient là? Non. Mais comme c'est le Créateur qui a parlé, les poissons étaient obligés d'être là. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Oublie ton échec à partir d'aujourd'hui. Amen. Tu n'es pas un extraterrestre. Tu échoues parce que tu es un homme. Amen. Mais lui ne peut pas échouer. Amen. À partir d'aujourd'hui, fais-lui confiance. Amen. Mais souvent, plusieurs fois aussi nous échouons quand nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. Tu manques, tu as perdu totalement la confiance. Parce que tu as dit seulement un échec quelque part. Tu commences à penser, est-ce que je veux encore réussir? Dieu te dit oui. Amen. 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 Oui. Amen. Enlève le désespoir. Tu as échoué parce que tu étais un homme. Amen. Et puis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Peut-être ta pensée n'était pas la pensée de Dieu. Alors, quelle est la pensée qui doit dominer en nous? C'est la pensée du Créateur. Amen. Parce que c'est cette pensée-là qui connaît le meilleur pour nous. Amen. Ah, peut-être notre pensée, c'est l'envie seulement. Tu as seulement convoité quelque chose. Après, tu t'es fait une idée. Mais la meilleure position, c'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Amen. Et d'autres choses aussi, nous d'autres échecs viennent par légèreté dans la préparation. On n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. On n'est pas assuré. Quand le Seigneur avait donné la vision ou les songes à Pharaon sur les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, ah, ça, c'est ce songe-là qui a fait sortir qui? Joseph de la prison. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais là, quand Joseph a donné l'explication, Pharaon a dit, ah, ça, ce n'est pas être que Dieu qui ait donné cette explication. Il a dit, cherchez qui? Un homme perspicace. Amen. Oui, oui. Un homme perspicace, c'est qui? Un homme courageux. Un homme capable. Même s'il tombe 1000 fois, ah, il se relève toujours. Amen. Là, nous avons lu le prophète aujourd'hui. Il a dit, même si j'ai pris pour 10 000 personnes ce soir, amen, et que demain matin, tous les 10 000 meurent, le soir suivant, je viendrai prier encore pour les morts. Pourquoi? Amen. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Amen. Mais si tu te décourages parce que j'ai prié et puis tout le monde est mort, où est ton problème? C'est toi qui guéris. Amen. Dieu est libre de guérir qui il veut. Amen. Et condamner qui il veut. Amen. 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 Alors beaucoup aussi sont des fainéants. Un chrétien n'est pas un fainéant. Amen. Non. Un chrétien, c'est un travailleur. Ah, c'est un travailleur. Ne te décourage pas. Tu es capable d'ouvrir une porte. Amen. Tu as échoué, peut-être c'est une porte qui s'est fermée. Amen. Il y a une autre qui s'ouvre automatiquement quand il se ferme. Amen. Parce que Dieu te voit là où il veut que tu dois être. Amen. Ah, pourquoi être fainéant? C'est pour cela que le Seigneur a donné quoi? Proverbe 6. Il donne l'exemple de qui? Des fourmis. Je vais lire ça, malgré que j'ai oublié de donner ça. Proverbe 6, verset 6 à 9.
paresseux considère ses voies et devient sage. Et là, ni chef, ni inspecteur. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur. C'est la Bible. Nous, nous croyons la Bible. Amen. Amen. Ni maître. Elle prépare à l'été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Amen. Dieu nous donne l'exemple de qui? De la fourmi. Un chrétien n'est pas fainéant. Beaucoup échouent aussi parce que pas fainéantisme. Non. Dieu a dit, comme le frère avait prêché dimanche, quand il a donné Israël, quand on a donné la Palestine à Israël, ça ne veut pas dire qu'ils allaient trouver tout était la calme. Non, non. Ils devaient combattre pour chaque mètre carré. Amen. 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 Nous devons aussi combattre. Amen. Pourquoi? Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Amen. Et sur la terre, il faut combattre. Amen. Le chef est une preuve que nous sommes limités. Alors, quand nous échouons, nous, c'est parce que nous sommes des hommes et nous sommes limités. Mais Dieu, lui, n'est pas limité. Amen. C'est pour cela, il n'y a pas d'échec en Dieu. Alors, il y a un secret. Amen. Amen. Il y a un secret. Si vous ne voulez plus échouer, nous ne devons plus compter sur nos capacités. Pierre a sorti toutes les capacités la nuit, jusqu'au matin. Vous voyez, la nuit, les poissons commencent à tourner comme ça. Allez, jette comme ça les filets, fais comme ça, fais. C'est bon. Ils ont essayé zéro. Mais quand Pierre a cru, comme c'est toi qui l'as dit, amen. Amen. Il a jeté le filet et c'était une grande bénédiction. Amen. Nous ne devons plus compter sur nos capacités. Même si tu es intelligent, même si tu es fort, laisse que Jésus soit devant toi. Amen. Amen. Même si tu connais la réponse, avant d'écrire, prie. Amen. 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 Que lui puisse être devant toi. Fais-lui confiance. Beaucoup de gens, des fois, échouent, mais très intelligents. Pourquoi? Devant l'examen, ils s'embrouillent. Comment l'embrouillement est venu? C'est le diable qui est venu te troubler. C'est pas ça. Et puis tu sors de l'examen, mais tout je connaissais. Alors c'est pour cela qu'un chrétien a l'avance, a l'avantage sur le païen. Devant n'importe quel examen, quel cours, quel test de travail, professionnel ou pas, dis à Dieu, moi je ne connais pas. Je veux que toi tu puisses être devant moi. Amen. Amen. Et quand lui est devant toi, fais-lui aussi confiance. Hein? Laisse-le coordonner. Hein? Laisse-le prendre le contrôle de tout. Mais si tu penses que moi je suis capable, tu verras comme les pierres qui ont pêché toute la nuit. Et ils n'ont rien eu. Car Dieu, il est jaloux de son honneur, de sa gloire. Il n'aime pas partager avec une personne. Il veut que quand tu sens vraiment que tu as échoué toi, et lui vient à ton secours. Et là, tu sais que c'est lui. Si ce n'était pas lui, j'aurais échoué comme toi-même. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions lui donner quoi? La première place.
lui donner la première place en tout. Le reste, c'est après. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ doit prendre la première place dans ton cœur. Il sera alors avec toi et tout va réussir avec toi. Amen. Amen. Quand aussi tu réussis, dis merci à Dieu. Amen. Il faut lui donner gloire. Pierre était un pécheur professionnel. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, rien, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Par moi-même, ma capacité, j'ai échoué. Oui. Par sa capacité comme connaisseur de l'eau, connaisseur de la pêche. Ah, il a vu qu'il a échoué. Mais, sur l'ordre du Créateur, le Seigneur des Seigneurs, il a eu la solution à son problème. Amen. Amen. Nous échouons plusieurs fois parce que nous allons toujours seuls. Ah, souvent on est pressé là. On va toujours seul, seul au front. Comment? Un chrétien n'a pas besoin d'aller seul au front. Il doit avoir un secret avec Dieu. Amen. Même si tu as bien préparé ton examen, tu as bien étudié, tu as bien révisé, tu as bien révisé tout ce qu'on pourrait te poser comme question au test du travail. Mais, avant de sortir, agenouille-toi. Amen. Parle à ton Dieu. Amen. Parle à ton Créateur. Lui va prédisposer toutes les bonnes choses pour toi. Amen. Et tu verras que tout va bien marcher. Amen. 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 Mais quand nous allons seuls, nous échouons souvent. Amen. Comme Pierre. Laisse Jésus prendre le devant en tout. Tu verras. Parce que lui n'échoue jamais. Amen. 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 Aujourd'hui, je voudrais que chacun puisse oublier son échec. Amen. Oublie ça maintenant. Redémarre une nouvelle marche avec le Seigneur. Obéis seulement à ce que Jésus t'a dit aujourd'hui. Amen. Tu verras les changements, mon frère. Amen. Même si tu connais la réponse, Jésus, lui, il veut te conduire. Amen. Mais comme il n'est pas dictateur, là, non, il aime que toi-même tu l'invites. Amen. Donc tu lui dis, Seigneur, je suis incapable, viens mon secours, j'ai besoin de toi, alors prends le devant, alors tu auras la solution à ton problème. Je veux que ta pensée prédomine ma pensée. Amen. Moi plusieurs fois, je le fais, j'ai dit, Seigneur, ne laisse pas que ma pensée domine. Laisse que ta pensée puisse dominer ma pensée. Amen. Alors tu es en train de travailler quelque chose. À un moment donné, tu veux faire une erreur. Une voix te dit, vérifie la chose. Amen. Et j'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois. Amen. Et quand je l'ai vu, j'étais déjà presque dans l'erreur. Amen. C'est quoi ça? Parce que j'ai mis le Seigneur devant. Amen. Et quand tu le mets devant, lui, il est le bon berger. Amen. Lui connaît la route. Amen. Lui ne peut pas se tromper comme toi. Amen. Lui, c'est Dieu lui-même. Amen. Il veut que nous puissions lui faire confiance. Amen. Laisse que ta pensée, Seigneur, prédomine sur ma pensée. Amen. Quand nous demandons à Dieu qu'il puisse nous conduire, laissons-le aussi nous conduire. Amen. Amen. Tu t'abandonnes comme une brebis. Les brebis ne connaissent pas la route. Amen. Il faut le bercher. Amen. Sans réfléchir, pas discuter avec lui. Des fois, Dieu te dit, fais ceci. Tu commences à discuter avec lui. Mm. Oh, moi, j'ai connu. Non, fais ce que la voix te dit là. Amen. Tu verras que tu n'auras pas de problème. Amen. Laisse-lui aussi la charge de te conduire. Laisse-toi conduire.
tu verras la main de l'Éternel. Amen. Alors je lis les prophètes. Après, je vais terminer avec un petit témoignage. Je ne crois pas que c'est un petit. C'est un très grand témoignage. Amen. Que j'avais vécu un jour ici. Oh! Il a dit dans la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Prêché le 30 mars 1954, paragraphe 18 jusqu'au paragraphe 21. Je préférerais voir une seule conversion à l'ancien monde. Quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleurniche jusqu'à ce qu'en sorte que de voir 10 000 personnes qui se lèvent en se contentant de dire, eh bien, je vais essayer ça. Essayer ça, il n'est pas un Christ qu'on essaye. Amen. Il est quelqu'un qu'on accepte. On n'essaie pas Christ, on l'accepte. Amen. Que vous viviez ou que vous mouriez, que vous vous enfonciez, c'est-à-dire que vous échouez, ou que vous vous noyez, acceptez-les quand même. C'est vrai. Si j'ai pris 19, prier pour 10 000 personnes ce soir et qu'elles meurent toutes demain matin, demain soir, je reviendrai ici pour prier pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est vraie. Amen. C'est exact. Amen. 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 Si j'étais en train de mourir, maintenant écoutez là maintenant. Ah, le prophète est terrible. Ici, chacun s'est un cas particulier devant Dieu. Amen. On ne meurt pas ensemble, non. On ne vit pas ensemble l'expérience chrétienne, non. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Si j'étais en train de mourir et que 500 000 personnes mortes il y a 100 ans et qui avaient été dans l'éternité tous ces temps, ressuscitées et revenaient sur la terre, et qu'elles me disent, frère Branham, ne faites surtout pas confiance à cela. C'est que les gens qui sont morts, qui sont revenus pour dire au prophète, ne faites pas confiance à la parole de Dieu. Il n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela. Nous lui avons fait confiance. Nous sommes partis et nous avons échoué. C'est que les témoignages de combien de 500 000 personnes qui sont mortes. Écoutez la réponse du prophète. Je dirais quand même, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, j'y crois. J'y mets tout mon cœur. Il est entièrement attaché à cela. J'y crois de tout mon cœur. Et je compte sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que 1000 personnes ont échoué, toi tu es content. Non. Si elles ont échoué, ce n'est pas ton problème. Amen. Toi tu dois réussir. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu n'es pas lié à tous ces milliers-là. Amen. 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 Alors mon petit témoignage, c'est quoi? Un jour, j'étais venu ici à l'église. J'étais en train de me consacrer. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille à la maison. Ah! Ça, c'était à la fin quand je voulais me la sortir pour rentrer à la maison. Alors, je me suis dit, comment j'ai oublié le portefeuille? C'est que si la police m'arrête, ce serait beaucoup de problèmes. Alors, je me suis dit. Et puis, c'est comme si ça ne suffisait pas. Une deuxième pensée est venue. Mais tu risques de faire l'accident à ton retour ici. Le diable, où est ton problème? Alléluia. J'ai prié maintenant, Seigneur, tu connais que je n'ai pas fait exprès. Amen. J'ai oublié parce que je suis un homme. Ce n'était pas mon désir d'oublier mon portefeuille. Je te demande maintenant, protège-moi, Seigneur,
jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison. Protège-moi sur la route. Que l'accident n'ait pas lieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'ai prié et Dieu a écouté. Et je suis sorti. J'ai démarré la voiture. Arrivé, quand on sort chez nous sur l'autoroute, il y a un premier feu là. Je suis sorti là. Il y avait une voiture devant moi. On a trouvé le feu rouge. Nous sommes arrêtés. Et puis, le feu donne vert. C'est-à-dire, nous, nous devons passer, n'est-ce pas? La voiture qui était devant moi est passée. Juste quand elle est passée, l'autre feu, dans l'autre sens, si chez nous c'est vert, normalement de l'autre côté, ça doit être rouge. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui était arrêtée, celle qui a démarré. Après que l'autre, celui qui était devant moi, est passé. Je ne sais pas comment j'avais fait. Mais je me suis rendu compte seulement que je me suis arrêté. Et le monsieur qui a brûlé le feu est passé. Ouah! Et j'ai compris que Dieu m'a réellement protégé. Est-ce qu'on peut l'acclamer? De la circulation. Mais moi, pas je n'étais même pas seul. L'autre est passé. C'est quand je m'engageais, l'autre me laisse sortir. C'est que si je ne m'étais pas arrêté, c'était un accident 100%. Parce que j'étais dans le droit de passer. Mais Dieu avait écouté la prière. Et Dieu est capable de protéger chacun de nous. Nous allons prier maintenant. Le temps qui nous reste, 40 minutes, que Dieu nous aide. Et mon âme en feu, Seigneur, et mon âme en feu, pour l'amour de Jésus. Été en désaccord avec la parole.
que Dieu nous pardonne pour nettoyer la voie afin que nous puissions passer aux prières dans les intentions. Que chacun prie le Seigneur pour demander pardon au Seigneur.